Recoucou les Alindiens, bon vous allez jamais me croire quand vous allez voir les vidéos tout à l'heure où j'étais en t-shirt et là les vidéos maintenant je suis complètement couverte. Tout à l'heure c'était entre midi et deux et puis maintenant en fin de journée, mais c'est vrai qu'on passe vraiment du chaud au froid, mais ça fait du bien de profiter et tout ça. Alors j'ai fait une vidéo pour mon groupe en direct, mais il y avait beaucoup de vent et il me semble quand même qu'il était important de s'attarder sur ce que j'avais à dire. J'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur et discuté et écouté beaucoup de gens. Et voilà ce que j'ai noté. D'abord, c'est génial parce qu'on est énormément à penser les mêmes choses et à aimer la vie. Le petit point que je voudrais, sur lequel il faut qu'on soit tous vigilants, c'est cette capacité, cette facilité que nous avons à toujours critiquer, juger et pointer chez l'autre ce qui ne va pas. Alors actuellement, forcément, il y a un petit peu de force qui s'oppose et on est toujours à même d'être agacé par l'autre, à ce qui nous fait. En ce moment, ben voilà, regarde tout ce qu'il fait, les courses, etc., le pointer du doigt par ses peurs. Mais peu importe, chacun a à vivre ce qu'il a à vivre, à faire ses expériences. Et surtout, ce que je disais, ne remettons pas à l'autre la possibilité de nous empêcher de vibrer l'amour. Surtout, ne remettons pas à l'autre, j'espère vraiment que vous allez imprimer cette phrase, le pouvoir de nous empêcher de vibrer ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour. Chaque fois que nous allons le juger, chaque fois que nous allons critiquer, émettre une pensée négative à son avis, avoir une parole non impeccable justement, ça va d'abord nous affecter nous. Et comment voulez-vous que le collectif grandisse et qu'on en sorte grandi? Il faut vraiment vraiment qu'on arrive à ça. Rendez-vous compte, moi j'étais dans les discussions et j'entendais, et j'étais toute guillerette, je me sentais bien, je sentais qu'on était vraiment avec une énergie d'amour tous ensemble et tout, et puis là ça commence, oui mais vous voyez les autres, nanana. Et là petit à petit j'ai senti vraiment 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 que je commençais à avoir des contractions sur moi. Et puis là du coup, alors je voulais pointer du doigt le fait du jugement sur les autres, que je voulais pas qu'il y ait lieu, et en même temps moi je me permettais de juger, et on se permet de juger. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester complètement neutre de ça et vraiment vraiment être amour, regarder les choses, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo que je vous partagerai, laissons faire, regardons la vie, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous met en lumière, regardons tout ce travail qu'on a encore à faire, à grandir de tout ça. Et voilà, surtout, voilà, voyons que l'autre n'est pas notre ennemi, ne sera pas notre ennemi si nous faisons l'effort de voir les choses grandement. Et puis si, comme je le disais, on vous passe devant, on n'est pas d'accord avec votre opinion, ne faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, les accords Toltec plus que jamais sont là pour vous aider à travailler tout ça. Et puis profitez de la vie, regardez comment ça se passe, et puis attardez-vous sur les belles choses. Aujourd'hui j'ai vraiment eu besoin de m'attarder à aller voir la nature, à être connectée. Je suis allée deux fois sur le bassin, deux fois pour voir, une fois la marée haute et donc le bassin plein, et une fois qui s'était vidé. Deux visions, deux façons de voir, pas une plus belle que l'autre. Tout est beau, pas une plus belle que l'autre, entendez bien. Il se passe plein de trucs. Tout est beau. Regardons, gratitude, la magie. Je vous ai parlé aussi de la gratitude. Allez, regardez, partagez les vidéos si ça vous plaît. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis débordante d'énergie, je suis débordante d'amour. Et je suis sûre que plus on sera à rayonner cet amour, plus il va être communicatif. À nous de jouer, ok? Allez, on y va, on diffuse, on envoie, on partage, on vibre l'amour. À très bientôt. Les Anandiens donc, les terriens, gardiens de la joie. C'est ce que je disais aussi. Nous sommes des terriens, mais gardiens de la joie. À nous de diffuser cette joie, diffuser cet amour, diffuser cette paix. On y est, à nous travailler. Ciao, ciao.